Salaud. Chaque soir à la télé, affligé, tu viens nous annoncer les morts de la journée. Pas merci de nous tenir informés. Hier, 12 morts. Aujourd'hui, 33 morts. Demain, 45 morts. Et les cas, n'en parlons pas. Plus on teste, et plus il y en a. Oh là là, ça augmente. On est foutu. On comprend à ton regard empreint de gravité qu'il n'est plus temps de rigoler. Oh, j'ai si peur. Comment faire? À quel sein se vouer? Ivor Lévy. Heureusement, tu es là, avec la solution tout indiquée pour nous sortir de cette calamité. Par une heureuse prémonition, en 2018, tu as lancé un projet pour faire passer la thérapie génique de l'université à la clinique. Et ben voilà, boum, on y est. Agnès Buzyn, ton épouse, est à l'époque, en tant que ministre de la Santé, la patronne de Jérôme Salomon. Finalement, on n'a pas eu besoin d'aller chercher bien loin. Mais bon, quand deux individus s'aiment et se battent ensemble pour le bien de l'humanité, peut-on parler de conflit d'intérêts? Non, bien sûr. Tu collabores en plus avec le labo de Wuhan depuis quelques années. Personne n'est mieux placé que toi pour nous aider. C'est un peu comme aux États-Unis avec le grand docteur Fauci, qui finançait des recherches sur les gains de fonctionnalité avec le même labo. Ah, le monde est si petit. Il est enfin Albert Bourla, patron de Pfizer, qui nous a proposé lui aussi une thérapie génique avec une rapidité inédite. Cet homme, d'une telle délicatesse, d'une telle intégrité, qu'il refusa de profiter de sa position pour se faire vacciner le premier. Oui bon, Pfizer a été condamné à des milliards de dollars ces dernières années, mais c'est du passé. Moi, j'ai confiance. Il faut croire en la science. Accepter tout ce que ces grands prêtres nous demandent. Le passeport vaccinal, les vaccins, les masques, la distanciation sociale, perdre son travail, les couvre-feux, les confinements, la ségrégation. Moi, je veux la totale. Ah, mes amis, on ne doit pas prendre la liberté de vous critiquer. Ce serait un véritable crime de la pensée, un délit, plus grave encore que l'abstention volontaire de combattre un sinistre. Même si on a des doutes, il faut mettre son masque et se taire.